Hey, bonjour tout le monde! Bonjour, Ça fait bonjour. longtemps qu'on s'est vu. Oui, ben oui. Alors, podcast Nintendo Jub 2-1, c'est notre deuxième saison. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, fait qu'on va être un peu rouillé. Ouais, puis c'est le premier qu'on fait aussi à distance. Ouais, c'est un test aujourd'hui, on essaie de s'accommoder avec nos horaires chargés. Guillaume est nouvellement papa. Hey, Fait que mon petit c'est fils. très compliqué pour lui. On Mais essaie. il est si joli! L'enfant. L'enfant, Monsieur OK. Dante. Fait que, ben, on pourrait commencer. Il se passe plein d'affaires. On est sur le point. La Switch va bientôt sortir, la Nintendo Switch, dans Ouais, 2 semaines deux semaines. et une journée. On est tous très Alors, excités. et oui. Et ben, on pourrait commencer par juste, pour se dégourdir, parler de qu'est-ce que vous à quel jeu vous jouez ces temps-ci, vous autres? Peu importe la console, là, peu importe, même si c'est un podcast Nintendo, à quoi vous jouez? Bon, moi, je suis sur Overwatch en tabarnouche. J'ai recommencé à jouer. En fait, j'ai commencé à jouer il y a environ 3-4 mois, puis j'ai pas eu la piqûre maintenant. C'est surtout au travail, puis quand j'ai des petits temps libres que je peux jouer, mais bon. Sinon, j'ai Fallout 4 aussi, que je suis allé me pogner l'expansion quand il est tombé en rabais. Quelle Et question? Laquelle? le Season Pass, fait que là, je suis en train de OK. faire le Voltech, mais j'ai fait juste avant l'Automatron. Puis à date, je suis assez satisfait. C'est sûr qu'il est cher en tabarnouche, le Season Pass. Même en rabais, il m'a coûté 40$. Fait que. Ah ouais, de base, il est 69. C'est absurde. C'est complètement absurde, Un autre on... jeu, là. C'est un autre jeu, mais à part avec autant de contenu, c'est ça Avec, je te dirais, un dixième du contenu l'affaire. facile. Fait que On non, aura une c'est... petite discussion tantôt sur les DLC, justement, avec Zelda. Mais Ouais, sinon, tu dis que ça vaut la peine quand même, c'est le fun? Ah ben, vaut la peine. Si t'as aimé le jeu, oui. Mais le problème, c'est qu'il y avait bien du monde qui n'ont pas trop aimé. Il manquait d'éléments RPG dedans Fallout 4, dans la mission Vanilla. Fait que c'est sûr que c'est la même chose que t'as en plus. Fait que, y a des quests que j'ai pas encore embarqué dedans. Il y a trois quests principales que j'ai pas du tout essayé. C'est Fire Harbor, c'est Nuka Cola. Ça, tu peux être un méchant. Pour une fois, dans Fallout 4, il avait quasiment empêché complètement que tu sois un trou de cul. Tout le monde te traite comme si tu étais correct. C'est des envois chier, pis t'es dessus. Puis l'autre, ah, je me souviens plus c'est quoi. Oh, que je suis ignoble. Mais bon. Il y en a un qui c'est comme un parc d'attractions, c'est lequel Ouais, ça? c'est ça, c'est Nuka Cola, ça. OK. Il y a Mais des c'est Raiders, il y a vrai que trois c'est factions de vraiment. Raiders, puis il faut que tu choisisses la faction que tu veux être dedans. OK. Fire Harbor, c'est comme un genre de. Il avait fait ça aussi, il me semble, c'était dans Fallout 3 au New Vegas, là, que tu vas dans un genre de monde redneck un peu avec des pêcheurs et tout. Ouais, J'ai mais non, joué mais c'est vraiment. avec Redneck. C'est vraiment redneck avec une atmosphère un peu horreur. Et le troisième, mon Dieu, c'est quoi déjà? Non, non, je me souviens plus. Je me souviens vraiment pas. Puis il y a plein de petits add-ons comme le Voltech que je suis en train de faire. Lui, c'est. Ouais, je pense que ça s'appelle juste Voltec. Tu t'en vas dans voûte 88, une nouvelle voûte qui est ajoutée, puis tu peux faire la construction dedans. Ça devient un settlement que tu peux complètement habiter dedans. L'autre que j'ai fait juste avant, c'est Automatron. Ben, ça te permet de créer des robots de toutes pièces. Tu peux changer toutes les parts comme tu C'est fais des avec ton Power petites Armor. expansions, ça. Ouais, mais c'est ça. Je n'ai fait C'est deux pour à ça que date. j'hésitais au début et je trouvais ça cher. Ouais. Ben, c'est ça qui décourage tout le monde parce que tu l'achètes pas pour ça. Puis les trois quarts des expansions, c'est pour te permettre de faire des settlements un peu plus intéressants. T'sais. Oui, ça ajoute beaucoup, mais ça aurait pu être des upgrades gratuits, puis ça aurait été vraiment mieux pour eux En autres. fait, c'est ça. C'est moi, personnellement, j'ai trippé à faire une méga base gigantesque, beaucoup trop grosse. Mais tu sais, je veux pas à un moment donné. Ça fait un an déjà, un an et demi à peu près. Ouais. Non, Un an? un Ouais, un an. an. C'était en septembre l'an dernier, fait que c'est ça. Septembre 2015. Ouais. Ouais, ben c'était la voûte 111, fait qu'il avait fait un jeu avec ça, c'était novembre, 1er novembre, on a fait Ah, le même, me semble. en tout cas, j'ai joué dans ce bout-là jusqu'à Noël, puis après, moi, c'est les loading times qui m'ont tué là, dans ce jeu-là. Ouais, J'ai joué au ben PS4. puis je suis rendu level 86, 87, oui, j'ai joué facilement 200 heures, mais Je pense j'aime ces jeux-là. j'ai dû jouer aux petites senteurs là, facile dans ce jeu-là. Ouais, sûrement, Tu puis l'as-tu c'est essayé, ça. toi, Alex? Ou quoi? Fallout 4, tu l'as-tu essayé? Non, je l'ai pas essayé. Il était trop cher, puis j'ai tellement d'autres jeux à faire avant que. Très bon jeu. Très bon jeu. J'ai bien aimé. Ouais. Ben, il est amusant, mais comme tu dis, le loading, j'ai un SSD, ça allait super bien au début. PlayStation, t'as même pas ce luxe-là. Puis maintenant, tu sais, ça me prenait 2-3 secondes de loader un truc. Maintenant, ça me prend 30 secondes, 1 minute, des fois 3 minutes. Je suis comme, hey, tu sais, ça a l'air de rien 3 minutes, là, mais quand t'attends 3 minutes, à chaque fois que tu embarques dans une maison, t'hésites en tabarnouche à tourner la Non, c'est poignée, ça. là. Moi, c'est ça. J'arrivais devant un lieu. J'étais comme, j'ai vraiment le goût d'explorer parce que je suis un explorateur. Mais j'arrive devant la porte, je suis comme,
J'y vas-tu vraiment ou pas? Non, non, ça vaut-tu la peine? Attends 30 secondes, une minute, t'as juste fixé un loading screen. Ça coupe l'immersion, vraiment. J'ai hâte que ça soit réglé, ces problèmes-là. Ouais. Puis belle animation, tu sais, tu vois un beau modèle là, mais tu sais, pendant 3 minutes, t'es comme, moi, ouais, j'ai fait le tour, là, j'ai vu toutes les écailles. C'est bon. Ouais. C'est quelque chose que probablement qui va être réglé sur la Switch. On espère. On espère. C'est pas 100% réglé, c'est certain, surtout que c'est. Mais c'est une bonne chose que ce soit un retour aux cartouches. Puis toi, Alex, tu joues-tu à des choses ces temps-ci? Ben, moi, présentement, ces temps-ci, je suis en train de faire les Mega Man. Je suis en train de faire le all-round des Mega Man, y compris Mega Man 2.5D et plein d'autres Mega Man comme ça. Je pense que je suis rendu au officiels, troisième à faire complètement. 2.5D n'est pas officiel, Alex Pimon, tu vas le voir, on a fait les deux premiers tableaux sur Sport and Game, puis c'est hot parce qu'ils ont vraiment créé un mode coop. Tu sais, t'as des portes qu'il faut qu'un aille ouvrir là, pour faire passer l'autre, puis t'as deux chemins séparés, puis la caméra recule, ça va super bien. Ah, c'est puis cool. C'est, pas, c'est super beau. C'est, super c'est les nouveaux tableaux, vu que c'est coop, puis c'est comme c'est sur les mêmes thématiques de, jeu, de tableaux. Là. Okay. Mais c'est certainement illégal. Mais ouais. C'est tout le monde est en train de les faire sur YouTube, tu check, puis il y en a plein. Là, parce que c'est vraiment bien fait. Là. Ah, ça ajoute beaucoup. Puis, okay. Quand les compagnies arrêtent de maintenir leur licence, c'est bon de voir le fanbase qui s'en occupe finalement. Comme, ouais. Je pense Metroid aussi, là, que toi, t'as commencé Rogue Down. Rogue Down, ouais. Un très bon, ouais. C'est fait au Nintendo, puis je l'ai essayé dans ma NES Mini. Puis, ouais, je l'ai commencé, mais je pense que je vais t'attendre, Guillaume, pour le jouer avec toi. Ah, ben merci. Un plaisir. C'est impressionnant de voir que des gens sont capables de faire runner sur un Nintendo un jeu qui est à des kilomètres de Metroid. Oui, ben oui. C'est quand t'arrives dans une pièce, puis là, ça dit système de map activé, appuyer sur start, puis là, tu passes sur start, la map load, puis t'as une mini-map, parce que je pense on avait-tu une dans Metroid 1 au Nintendo? Ah, oh, man, je suis... En tout cas, non, t'avais je me souviens pas. Je pense pas qu'on c'était aussi bien fait. Je pense qu'il avait commencé dans le 2. Au Super, ouais, c'est ça, mais là, il y en a eu. Au Game Boy, j'ai pas assez joué à celui au Game Boy. C'est comme jouer à Super Metroid, mais au Nintendo, c'est vraiment impressionnant. Les contrôles étaient super bons, réponse super bonne. Puis... Ben, surtout que ton projectile, j'imagine qu'il va plus loin qu'à deux pieds de ta face. Là. Il traverse l'écran. Ouais. Puis tu peux tirer en diagonale, puis tout, là. Ah oui, diagonale aussi, ils l'ont gardé. Mais comment tu fais avec une manette de. Ben, je sais pas si c'est. A et B en diagonale avec plus Select. Megaman, ouais, t'as raison, c'est plus Megaman. Je pense pas que c'est en. Ben, par exemple. Ah ouais, c'est Super Nintendo, ce qu'on faisait L Pierre. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sors. L ou R, là, ouais. Ouais. C'était un peu bizarre parce qu'il y en avait un qui était un angle d'un bord puis l'autre de l'autre. Puis là, quand tu tournais de bord, tu savais plus trop qu'est-ce que tu visais. Hein, c'était n'importe quoi. Ouais. Fait que je jouais à ça parce que c'est ça, sur ma NES Mini, NES classique. Puis je joue beaucoup à ces temps-ci à Kingdom Hearts 2.8, qui est vraiment bon. Mais faut 2.8? Fait que ça compte 2.5 et 3. Ouais. Wow. Il y a deux épisodes parce que le 3. T'sais, ils nous ont sorti le 1, après ça, deux ans plus tard, le 2, puis là, ça fait 11 ans qu'on attend le 3. Fait que, entre temps, ils ont fait 2.8. Sort... Puis après ça, ils vont faire 2.85. Après ça, 2.88. Ça a 11 jeux à peu près dans la série, puis sont tous. C'est exactement comme s'il y avait Kingdom Hearts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais ils ont décidé que les autres faisaient des points. Wow. Mais c'est bon, c'est le fun. Y a-tu des sous-titres un peu étranges, là? Je sais qu'ils aiment bien ça d'habitude. Ouais, ouais, ouais. Genre Dream Drop Distance ou X Keyblade Shade of Tomorrow. Je sais pas. Une chance le jeu est bon parce que ça inspire pas, là. Recoded Burnt by Sleep Final Mix. Parce que oui, on est tous en dormant. Ah, c'est compliqué ce style. Ça prend le Final Mix. C'est honnêtement l'histoire la plus compliquée que j'ai vue en jeu vidéo. C'est impossible à comprendre, puis on peut pas la comprendre au complet parce qu'on n'a pas encore tous les éléments, parce qu'on n'a pas Kingdom Hearts 3. En tout cas, c'est super compliqué. Bref, ça, c'est à quoi on jouait. Ils ont pas mis d'annonce de Cup Noodle dans celle-là. Hein? Ah, c'est quoi l'autre? C'est les fournitures au Canadian Tire, là. Ah, c'est du Coleman. Pour expliquer, Coleman, c'est Final 10, il y a du placement de produits, puis ça te sort un peu de... t'es dans un monde inventé, puis attends, Final 10, Final 15? Coleman. T'as dit Final 10 ou Final 15? Final 15, excuse. Final 15, ok. Parce que je joue aussi à Final 10 avec Mathieu en ce moment. Je joue à trop de jeux en même temps. En même temps, j'ai pas le temps pour jouer à des jeux. J'ai même vu le truc ça, parlant de pub un peu qui
qui rentre dedans nos jeux. J'ai vu un t-shirt, donc c'est un fan qui a fait une image de Final 15. Et l'image, c'était genre un peu Gorillaz, comme le t-shirt que tu m'avais pogné là, des Avengers mélangé avec Gorillaz. Sauf que c'était les quatre membres de l'équipe, les bros, on pourrait les appeler. Ouais. Ils ont tous un cup noodle, sauf le large, qui en a un large cup noodle. Mais je suis comme, dans ton t-shirt de ta licence, les personnages qui mangent un cup noodle, t'es rendu avec la pub dans le merchandising d'un dude qui a même pas rapport à tout ça. Ouais. Il touche même pas une scène de cup noodle. Ah, je capotais. J'étais comme, ah oh non, faut pas ouvrir les portes. Ça existe pas ici, cup noodle, ouais? Oui, il me semble que oui. Ben, tu peux employer surtout dans le marché asiatique, je pense. Il y a des cups de soupe ici, là, mais cup noodle, je... Mais tu vois, c'est ben, plus ramen, nous autres. C'est les petits sachets qu'on a pognés, plus que les petites coupes. OK, ben c'est pas mal les jeux qu'on jouait. Fait qu'on peut peut-être embarquer dans des news. Parce qu'il y en a beaucoup qui sortent ces temps-ci. Ces temps-ci, on a un air attrapé. Ouais, on va ça. Ouais, on va le laisser derrière. On va le laisser. Cette semaine, encore là, les rumeurs, des fois, ça cause vraiment des problèmes dans l'univers de Nintendo parce que... Sur les réseaux, c'est à cause des réseaux sociaux, puis c'est comme dans tout. Là. Cette semaine, il y a eu la grosse rumeur comme quoi la NES Classic cessait la production. Oui, non, mais ils l'avaient annoncé il y a un mois. Nintendo n'a jamais dit ça. Non, je sais. C'est sorti dans une news, puis c'était marqué rumeur, mais les autres l'ont repris. C'est pas juste ça. La fille au Toys R Us, quand j'ai demandé il y a à peu près un mois avant de réussir à faire une espèce de sniping là, que je fais jamais d'habitude, mais ça a l'air t'as pas le choix maintenant avec les produits Nintendo. Mais ouais, c'est ça, la fille du Toys R Us me dit « Ah, oh, puis je pense qu'ils vont arrêter la production en mars. » Fait que tu sais, ouais, je peux pas t'en garantir, puis en plus, ben, fuck you, t'en auras pas. Ouais, il ferait ça. Bref, ça a pris 2 jours avant que Nintendo fasse une réponse officielle, mais en effet, la production continue, mais le dommage était fait. Là. Oui. Le chialage sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ben, ouais, mais en même temps, si... T'sais, ça n'avait jamais été annoncé officiellement, puis ils en produisent plus pour que ça rencontre la demande. Attendez un peu, puis il va en avoir. C'est juste qu'on est vraiment étonnés. Nous autres, on s'attendait tous qu'après Noël, genre en fin janvier au moins, ou mi-février, ça serait correct. Mais en Christ, on est rendu. Oh, excusez. Maudite merde. On est rendu au début mars, puis. Non, on est rendu mi-février, puis ça continue, puis. Yay! Puis début mars, probablement, on va encore manquer. Fait il y a quelque chose de weird. Puis je pense pas que c'est juste les scalpers le problème. Là. Je pense qu'il y a vraiment eu une sous... C'est avant Noël, scalper, mais il faut comprendre un petit peu comment les Japonais pensent. Okay? Ils pensent beaucoup just in time. Puis quand tu pars une business, eux autres, ils garantissent des jobs à long terme à leur monde. Fait que dans le fond, produire un gros big bang de consoles en partant jour 1, eux, c'est pas dans leur mentalité. Ils vont être plus « Ah, ben on va régulièrement... » à toutes les semaines, produire tel montant, puis on va continuer comme ça pendant des années, des années, des années. On l'a vu avec la Wii, ça a donné ça, puis les premières années, ouais. La Wii était dure à pogner juste à cause de cette niaiserie-là. Mais il y a une réalité pareille, tu sais, même si c'est 4 heures plus au japonais, mais tu sais, on a quand même l'Occident qui est là-dedans, puis nous autres, on a besoin d'avoir quand même un burst au début, parce que, c'est vrai, les Occidentaux, on chiale en tabarnouche quand il arrive de quoi. Fait que faut quand même que tu réussisses à offrir à la demande. Puis surtout, ils l'ont sorti juste avant Noël. Ils auraient pu faire un paquet de profit avec ça. Puis ils l'ont vu. Tu sais, c'est pas comme s'il n'y avait pas l'expérience avec les Amiibo d'avoir de la demande puis de pas fournir. Là. Fait que quand tu vois un truc de même, puis la réponse qu'il y a eu sur Internet était facilement évaluable. C'est qu'il y a... Ils l'ont annoncé l'été dernier. Ils ont décidé de ne pas prendre de précommande. Fait qu'à ce moment-là, il n'y avait même pas une idée de la demande qu'il allait avoir pour ce produit-là. Puis ils l'ont sorti, je pense, avec quelque chose comme 200 000 copies, exemplaires en Amérique du Nord. C'est tout parti, c'est sûr. Oui, mais là, ils sont rendus à 5 millions, ce qui fait de vendus en début janvier. 1,5 millions. 1,5 millions de vendus en début janvier. Fait qu'ils ont dû augmenter la cadence de production. Oui, il aurait probablement pu en vendre 3 millions déjà, là, qui serait facile. Mais comme Alex dit, 70$, c'est parfait. Hein. Puis en plus, là, il y a toutes les hacks qui la rendent encore plus attrayante, fait que... Non, fait que je comprends même pas pourquoi c'est pas une priorité pour eux autres d'augmenter la production de cette petite bébelle-là. Là. Ben, c'est une vache à lait, là. Direct. Au-delà de la vache à lait, là, puis oui, c'est vrai que c'est une vache à lait, mais tu sais, ils ne vendent pas une fortune non plus, mais c'est vraiment, je pense,
c'est pour l'image aussi de la compagnie, c'est bon là, qu'il y ait une console qui peuvent se vanter, dire on a ressorti une version miniature d'une console qu'on a vendue déjà il y a je sais pas combien d'années, puis on est vendu à 20 millions d'exemplaires. Qui a créé un précédent, puis que maintenant elle se vend encore super bien avec en version mini. Ça risque il y a plein de lacunes, il y a un petit fil et tout, mais le monde se bat pour l'avoir pareil. Ouais. Ah non, c'est absurde. Mais par exemple, il aurait dû mettre un piton home, sa manette. Je m'en fous qu'elle soit pas comme parfaitement réplique, là. Colin, moi, je suis pas pire parce que je joue juste à côté, fait que je peux peser sur le piton reset facilement, mais c'est le nombre de personnes qui ont ça à côté de leur télé, là. Oui, c'est ça, la sortie de la Switch. Ben oui, c'est dans 2 semaines. On l'a tous préloadé. On a eu cette chance d'avoir réussi à la préloader. Préloader. Précommandé. Ouais, moi, j'ai préloadé dans ma porte. Ça va être terrible le 3. Le 3 mars, je vais probablement me lever très tôt et attendre devant ma porte comme ça. Ouais, mais toi, t'es chanceux parce que tu vas vouloir jouer à Zelda. Moi, je l'ai précommandé depuis longtemps, sa Wii U, là. Fait que, malheureusement, j'ai pas de release title. J'ai Bomberman qui me tente, mais à 80$, ça me tente pas en tout de payer ça, là. Ouais. Moi, j'ai ma propre stratégie là-dessus. Moi, j'attends la journée de la sortie pour voir combien ils vont être dans le store. Les jeux ou les consoles? Les jeux. S'ils vont offrir des rabais par rapport à la version physique ou non. Ah, j'avoue. Ah ouais, le store, ok, le e-shop. Ouais, mais comment tu vas faire pour downloader? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est parce que comment tu fais? Ben oui, c'est vrai que t'as la SD. Là. C'est ça que tu vas montrer. Wouh! 128 Go! Mais 128 Go, ça passe vite, tu sais. Moi, je viens de m'acheter un SSD de 500 Go, ces jeux, puis ils sont rendus 40 Go, les jeux. 60 Go, des fois. Ils sont mieux d'optimiser en tabarnouche, parce qu'avec 128 Go, t'as 3 jeux qui rentrent dedans. Ben, c'est absurde. Pas tant que ça. Ben, je m'attends à ce que ça soit, mettons, 8 Go chaque jeu, jusqu'à un moment donné que t'as rempli complètement. Fait que, mettons, une dizaine de jeux qui rentrent dessus, c'est déjà une dizaine de jeux. Regarde. Mais Skyrim, il est entre 20 et 35 Go à peu près. Là. Puis ça, c'est un vieux jeu. Fallout 4, je pense qu'il est rendu à 40 Go, 50 Go. Mais c'est gros. Hein. Mais c'est pas optimisé pour 2 cents. C'est ça le gros problème. Là. Fait que s'ils réussissent, s'ils se mettent la ligne directrice comme Bomberman, mettons, je pense pas qu'il va en avoir pour fucking. Bomberman, ça a l'air d'un peu de cellulaire. Ça a l'air de 25 Go, c'est n'importe quoi. Mais c'est parce qu'il y a une paresse, on avait déjà parlé, il y a une paresse des développeurs maintenant à optimiser leur jeu parce qu'ils n'ont pas besoin. On a des machines de fou, on a de l'espace illimité. Fait qu'ils se font plus chier. Hein, puis ils s'attendent pas à ce qu'on installe 100 jeux sur leur console. Mais c'est con parce que. Ouais, mais tu sais, honnêtement, ça faisait même pas un an que j'avais mon PS4. Je ne disais plein. Tant de choses que ça, j'ai topé la limite. Ah oui. Ben, j'entends ça partir du PS4. PS4, même si tu l'as en copie physique, il l'installe tout sur ton PS4. Ouais. Fait que tu remplis ton PS4 là, de même. C'est combien? C'est 500 gigs parce que. Ouais, je pense. Comme c'est un disque dur, 500 gigs, c'est rien. Moi, mon SSD 500 gigs, je mets juste ce que je veux vraiment avoir dessus. Puis j'ai un autre disque dur, c'est un RAID d'un terabyte. Que lui, tu sais, c'est quand j'ai mes jeux secondaires. Puis je les ai mis en RAID pour réussir à avoir les performances. Mais c'est pour montrer comment. Tu sais, où est-ce qu'on est rendu avec le gaming? C'est gourmand, ça n'a juste pas de sens. Fait que j'espère vraiment que la Switch va trimmer le gras, puis va donner de l'essentiel et pas mettre des flaflas inutiles. Ouais. Mais, 128 Go, je pense que tout le monde va s'acheter 64 Go, 128 Go de mémoire pour ce device-là. Là. Puis ouais, ça marche pour les RPG japonais, mais... Tu sais, personnellement, j'aime beaucoup avoir les jeux directement dans la console. Je trouve ça simple. Des fois, c'est juste apparaissent, tu ouvres ta console, tu cliques dessus, tu loues, puis tu joues, c'est le fun. Par exemple, j'avais moins de problèmes, je dirais, avec mon 3DS, parce que j'avais dans ma pochette toutes mes petites cartouches, ça rentre. Ça va être le cas de la Switch. Puis avoue, quand tu l'ouvres puis tu fais « Ah, lequel que je joue? » C'est tellement plus fun. Au lieu de faire hein, « Next. » Qu'est-ce que je joue? Mais ce qui n'est pas le cas avec les CD. Les jeux, il y a plein de jeux de Wii U, de PS4, PS3 que j'oublie que j'ai parce que sont dans mon étagère. Mais tu sais, je veux pas. On se reste. Mais c'est ça qui arrive, tu les achètes puis tu joues pas avec, tu les ouvres même pas. Regarde, moi j'ai plein de jeux de Wii U que, regarde, sont emballés encore, regarde, original, pas ouvert, puis bon, peut-être un jour on va jouer. Moi ça fait ça, dans le download de content, c'est mettons sur Steam, je m'achète un jeu en rabais, plus tard, genre des mois plus tard, là,
un jeu de bien rabais. Je fais « Ah, je vais l'acheter, j'arrive pour le payer. » Il dit « Vous l'avez déjà? » Je suis comme « Ah oui? » Je me prépare à l'acheter deux fois. C'est con, c'est rendu de même. C'est, j'ai même pas connaissance de qu'est-ce que j'ai dans ma librairie. Tandis que quand ils sont physiques, je sais exactement. Tu sais, ma connexion de Wii U, je sais exactement ce que j'ai. Ça arrive des fois, j'ai une surprise parce que je vois un jeu que j'ai pas assez joué puis je fais « Oh, je le veux! » Mais « Ah, tata! » Non, 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 non. Veux-tu vraiment ça? Eh oui. Ah, bon, mais hey, vous allez avoir un treat éventuellement, peut-être. Ça va être plaisant, je sais pas. En tout cas, ça va être malaisant, c'est sûr. Oui, donc pour vous, c'est un plus qu'il y ait des cartouches puis une option de télécharger pour la Switch. Les CD, c'est une option. Donne option. Les CD, c'est de la merde. Le CD, ça transforme. J'ai des jeux Wii U qui marchent plus parce que je les ai prêtés à du monde. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Là. Ben, Ben, je me suis acheté des jeux que le CD marchait pas en partant. Ben, c'est parce que c'est un jeu usagé. Maintenant, j'étais allé dans un club vidéo puis il était. Parce que les clubs vidéo sont tous morts, fait qu'on avait des ventes pendant une couple de mois assez intéressantes. Mais oui, je me suis pogné Wind Waker, puis mon Wind Waker, je m'étais pas rendu compte, maintenant je fais ça. Je regarde devant une lumière, puis je regarde s'il y a des scratchs qui passent à travers, fait que s'il y a des bimes de lumière qui réussissent à passer. Puis oui, Wind Waker, il y avait des plaques qui étaient plus, qui avaient plus le coating de reflet, fait qu'il marche pas en tout, il détectait même pas. J'ai demandé à Nintendo qu'est-ce que je pouvais faire pour ça, tu sais, mettons payer moitié prix du jeu ou quelque chose. Puis ils m'ont dit non, faut que tu l'achètes au complet. Fuck you. Fait que je trosse pas et c'est des pantoutes. Puis une cartouche, c'est le fun. T'as l'impression de pirater ta machine. T'es comme ah! Tu te sens comme un pirate des années 90. Je vais tripler ma mémoire. Mais sinon, côté Switch, il y a plein de bonnes nouvelles qui ont sorti cette semaine. Les développeurs semblent vraiment apprécier le fait que ce soit simple à développer, que c'est compatible avec Unreal Engine. Ça, c'est cool, ça. 4. Et il y a des gens qui ont dit, puis le jeu sort le 28 mars, je crois, 29 mars, qui ont fait le port de la version PS4 en une semaine. Mm-hmm. Simplement, ça a été une... Mais ça m'étonne parce qu'ils ont gardé une architecture ARM, mais en même temps, si tu as un interpréteur, si tu as Unreal ou tu as Unity qui réussit à l'exporter de la bonne façon, fine. Puis j'ai reçu un email d'Unreal aujourd'hui comme quoi il y avait updaté avec un support pour la Switch, export direct la Switch. Mais je pense qu'ils ont beaucoup poussé les technologies là-dessus à cause que la portabilité, en fait, l'effet Transformer qui vient avec est super attirant, je pense, pour pas mal tout le monde, pour tous tes développeurs, parce que tu peux partir avec ton jeu puis jouer tout le temps. En parc, là, déjà. Ouais. T'as assez de puissance pour que ça soit intéressant, puis t'as basically une 3DS, mais avec la capacité de power d'une Xbox 360, fait que, puis bon, probablement en plus, fait que... Non, c'est. Moi, je suis assez impressionné. Puis ça, ça va nous ramener les jeux potentiellement. Puis ça, j'espère, je croise des doigts, les jeux 2D side-scroller sur une console portable parce qu'ils se disent ah, ben, tu vas jouer on the go. Fait qu'on parce va que ça léger le fun. Oui, c'est ça. Puis en plus, tu vas pouvoir la connecter sur ta télé. Fait qu'avoir l'expérience que tu avais au Super Nintendo. Fait qu'on vient avec des nouveaux jeux qui pourraient nous faire vivre une expérience nostalgique. Puis ça, c'est. Quelque chose qui va me chercher. C'est s'ils font ça, là, ça va être ma console préférée de probablement tous les temps. Bye. Tu fais référence à l'entrevue avec Eiji Aonuma, le producteur de Zelda, que hier, ils ont demandé s'il y avait une possibilité encore de faire des Zelda 2D, puis il a dit c'est certain. Sur la Switch, ça. Fait que, je pense que ça a eu un gros succès, A Link Between Worlds, qui était un genre de. Qui est parti comme un remake de A Link to the Past en 3D, puis qui ont décidé de faire une aventure originale dedans, qui est tellement super bonne avec une mécanique que je m'attendais à rien, là, la mécanique de transformer en papier dans les murs. Je trouvais ça weird d'avoir à l'image, là, puis en jouant, c'est une des meilleures mécaniques que j'ai vues. Faudrait que je recommence là, parce qu'il me semble que j'ai pas assez joué longtemps pour réussir à rien. Bien le comprendre, fait qu'il faudrait que je le refasse. Il se fait vite parce qu'on connaît A Link to the Past. Ouais. Moi, je l'ai défoncé, le jeu. Ouais, c'est clair. Il va au bout, puis hey, il me semble que c'est le même donjon que j'ai joué il y a 15 ans, 20 ans. Mais tu me dis, demain, Nintendo va le porter à la Switch en HD. Ah, parfait, je le rachète. Je le rachète comme un. Pas 80. Non. Peut-être ouais, à limite 60. Ben, Wind Waker, il était moins cher qu'un petit. Wind Waker, il était pas full price. Il était 24$. Wind Waker. Ouais? Non. Ça, c'est après ça, c'est le classic game of the year. Ouais, machin chouette, la version la nouvelle pochette. Mais non, quand il est ressorti, il était 49. Puis c'était. 49. C'était pas 49, puis les autres jeux étaient 59. 49. Ok, ben en tout cas, dans ce coin-là. Il y avait à peu près 20$ de moins qu'il y a. Il me semble que je l'ai payé 24. Ben peut-être que tu as eu un bon deal. T'es bien chanceux. Ben oui, parce que moi, je l'ai acheté usagé à 25$. Fait que...
Il marche pas. Non, il marche pas. Je l'ai jamais joué. J'ai jamais pu partir. J'ai beaucoup aimé les remakes. Fait que c'est sûr que. Puis Alex, toi, t'as toute la partie. T'as jamais eu de console portable de Nintendo dans le fond. T'as toujours été console de salon. C'est parce ça. Que ça m'a jamais intéressé. Mais c'est. Ouais, c'est tous des bons jeux que toi, maintenant avec une Switch, tu vas pouvoir jouer sur ta télé. Ouais. C'est sûr. Parce que moi, le jeu de Switch, c'est pas de la portée ou de la traînée. C'est vraiment une console de salon. Fait qu'elle va être 90% du temps avec son dock dans le salon. Ouais, je suis du bord d'Alex là-dessus pour ça aussi. Là. Moi, si je vais jouer tout le temps dans le salon. Les seules fois que je vais la porter, je pense, c'est quand je vais arriver chez vous, Dave. On fait un party, quelque chose, puis on a besoin d'avoir deux consoles pour pouvoir jouer à deux, trois jeux de plus, à deux, trois players de plus. Mais je me vois pas me promener avec. Là, avant, quand j'étais dans le métro beaucoup, quand mettons j'étais au cégep, peut-être ça a été vraiment intéressant parce que j'étais tout le temps de go. Mais maintenant, je suis tout le temps soit en char, en moto, je me promène en vélo. J'ai jamais un moment où est-ce que j'ai les mains libres pour faire de quoi. Je suis jamais passager depuis quelques années. Fait que... C'est quand même une force parce que ça va deux il y a un avantage. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent beaucoup l'aspect gaming portable, surtout au Japon, on s'entend. Qui marche beaucoup plus que les consoles de salon. Moi, je te dirais que je suis partagé. C'est sûr que je suis plus salon, mais j'aime quand même beaucoup. Tu sais, 3DS, je le traînais souvent dans ma poche. Là, ce ne sera pas le cas avec la Switch, là, mais je vais le traîner avec moi. Quand il paraît que ça rentre dans ta poche en arrière de ton jean. Je ne veux pas la mettre. Pas dessus, ben. Non. Mais tu sais, c'est quelque chose que. Comme tu as dit aussi, quand on va chez les amis, ça peut être le fun. Mm-hmm. Ben, surtout quand on va faire des tournois de Splatoon dans un LAN. En LAN. Ouais. On va faire un LAN de Switch. 8 ou 10 consoles qui se connectent ensemble. Puis, sinon, le plus gros point positif pour moi, c'est que Nintendo vont avoir deux fois plus de jeux. Si t'es juste justement comme Alex qui aime juste les jeux de salon, ben, tout d'un coup, tu te retrouves avec deux fois plus de jeux Nintendo. Ça fait les jeux de 3DS que j'aurais voulu amener sur la Wii U, puis tous les jeux de Wii U que j'aurais voulu partir, on l'a, là, c'est la Switch qui nous permet d'avoir ce schisme-là qui est plus un espèce de dissuasif pour jouer au jeu. Fait que non, c'est génial. Là. Ils ont vraiment fait un beau move là-dessus. Parce que je te garantis qu'un jeu comme, si t'as aimé A Link to the Past dans le temps au Super Nintendo, Link Between Worlds, c'est vraiment c'est copie, bon. Oh, ouais. Il est en 3D. Par exemple, j'avoue que je me souviens plus c'est quoi le nom du méchant, l'espèce de peintre. C'est Yuga. Yuga. Mais ouais, j'aimais pas le mesh 3D. Puis Link, quand tu voyais la caméra pointée dessus, ça ramenait un peu plus vers... Ah mon Dieu, Ocarina of Time. Je suis en train d'oublier le titre. Fait que ça rappelait un peu Ocarina of Time. Puis ça, j'ai jamais trippé trop sur ces visuels-là. Mais après ça, tu revenais top-down. Puis je pense qu'il faudrait qu'il y ait une bonne repasse graphique pour que les gens le rachètent justement si tôt sur une autre console, mais dans 2-3 ans... Je pense que ceux qui jouent à ce genre de jeu-là s'en foutent un peu de la qualité visuelle. Ils n'ont pas besoin que ça soit photoréaliste. Mais c'est parce que la résolution, c'est comme 200 par quelque chose, même pas du 320 par 200. Ah oui. Mais c'est du 3D, fait que t'as juste besoin de booster un peu les textures, puis ça devrait être pas pire. Là. Puis ouais. Je suis pas mal sûr, quand ils dessinent pas en 200 par 300, t'as déjà vu quoi dans Photoshop. Là. Fait que je pense que c'est downscalé rapidement. Mais... Fait que oui, ça peut-être juste réexporter un peu des textures de meilleur de high res. Là. Mais là-dessus, Nintendo, oui, quand même... ces derniers temps, un bon record de juste sous-traiter ces affaires-là. Ouais. Tu sais, Wind Waker, Twilight Princess, c'est tous des jeux qui ont été faits à l'externe puis qui sont... C'est la même compagnie qui a fait ça? Je sais que les deux Ocarina of Time... Il y a deux compagnies. C'est Grezzo pour Ocarina of Time puis Majora's Mask. Ouais. Puis, un jeu qui m'a rendu malade. Mais pas à la 3DS. Non. C'est à 64, bonne vieille 64. Ouais, Guillaume a été... syndrome de Pavlov, j'étais même moi qui aime un chien dans le sous-sol de chez Dave, puis j'ai joué à Majora's Mask non-stop, fait que j'ai associé jouer à Majora's Mask à être malade. Fait qu'à chaque fois que je partais, je poignais une nausée, il fallait que j'aille me coucher. Même moi, j'ai fini malade. Même moi, j'ai fini à l'époque parce que je pense que tu avais beaucoup joué dans ma game, puis j'étais à toi, fait que c'est un jeu difficile. Fait que quand j'ai essayé de reprendre les contrôles, et je me suis fait lessiver par la fin, là. Puis j'avais pas justement le masque cool, fait que c'était. En tout cas, j'avais jamais. On se battait tout le temps. Moi, je pensais que j'étais quasiment rendu à la fin parce que je me battais contre le Skull Kid, genre sa lune. Désolé si c'est des spoilers, je me souviens même plus si c'est des spoilers. Je pense que un jeu de 2000-2001. Ben, c'est ça. C'est un peu comme Lord of the Ring. Get with the program.
Mais Qu'est-ce qu'il y c'est a dans ça, le c'est, je me rendais là, puis j'étais comme, ah, oh, on est rendu au boss, on va pouvoir l'avoir. Mais tu peux pas le battre, là, quand t'es rendu sur la lune, t'es fait. Fait que j'avais jamais, jamais su qu'il y avait comme un autre boss qu'il fallait que tu poursuives, puis tu reviennes dans le temps, puis tu commences à jouer avec ça. Puis savoir qu'à un moment donné, tu pouvais arrêter de monter du timer, ben, tu pouvais jouer un peu avec cette temporalité-là. Là. Moi, ça m'a encouragé parce que moi, c'était tout le temps ça. J'étais comme, non, je vais mourir, Non, je vais ça fait qu'on savait pas qu'on pouvait ralentir le temps puis tout, Ben puis non. ça me stressait, comme ça se Tu peut pas les donjons. découvres en rencontrant une poule, ou non, c'est un scarecrow, Un un épouvantail. épouvantail, qui te dit, genre, hey, j'ai une toune pour toi, puis si tu rentres pas dedans, il te le dit jamais. Ouais. C'est comment tabarnak. Mais c'est surtout qu'à cause de ça, fallait recommencer les donjons, ce qui est. C'est épouvantable. Là, cette fois-ci, j'ai fait les donjons tout d'un coup sans Ah oui, jamais. sa 3DS était magique, là. J'ai vu ça passer à travers sans aucun problème. Un autre jeu que j'aurais aimé avoir en HD, par exemple, sur la Switch. Oui. Ah, L'Éternité. ils vont peut-être le sortir. Ah, d'ailleurs, tu parles de jeux à avoir sur la Switch. Tu as entendu la nouvelle qu'ils vont potentiellement sortir des jeux de GameCube? C'est une rumeur, ça, ou... C'est encore une rumeur. Ah, C'est sûr que t'es pas Nintendo confirmé. dit toujours, c'est sûr qu'on y travaille, puis tout. Mais c'est sûr que ça va arriver. Mais en même temps, je me demande quasiment, tu sais, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec Twilight Princess puis Wind Waker. Des, mettre en HD, personnellement, j'aime mieux en avoir moins mis en HD, puis c'est réglé, que juste des Moi, je suis ports d'accord. de jeu. Parce que, tu sais, c'est quand même 480p, c'est Ouais. carré dans la télé et tout. Puis, des fois, il y avait des petites choses qui gossaient dans les jeux, qui corrigent, tu sais, comme Wind Ça, Waker, c'est cool, c'était ouais. lent la navigation, là, tu as une nouvelle voile qui fait que tu vogues vite. Tu sais, c'est toutes des Puis affaires qui font que d'aller chercher le coffre qui est tellement. j'ai la quest à la fin, là, c'est beaucoup mieux. Ben oui. Mais, tu sais, mettons... Qu'est-ce que je voudrais? Bon, Mario Sunshine, ben, tant qu'à avoir Mario Sunshine, je ne le veux pas nécessairement en émulateur. Tu sais, je veux juste. Ben, je sais que ça vous intéresse. Ben, Oh, peut-être. Mario Sunshine, je l'ai vraiment pas. Il m'a pas accroché pas en tout. Mario Sauf Sunshine, les. la gravité était fuckée dans une couple de tableaux, puis il y a des améliorations à faire à gauche et à droite. Là. Ben, c'est ça, mais ça, c'est mieux un remake HD. Tu sais. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes pour ça, parce que. En fait, je crois que. Il y a beaucoup de demandes pour ce jeu-là des fans parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un Mario Open World d'aventure. Puis le fait qu'ils viennent d'annoncer Odyssey, probablement que ça va faire plus oublier Sunshine. Puis tant mieux si on va vers l'avant avec un nouveau parce qu'on ne veut pas non plus juste des remakes. C'est juste que, à un moment donné, j'ai l'impression des jeux GameCube, ils vont encore craquer le prix. T'sais. Ça a toujours augmenté un petit peu. T'sais. Nintendo, Super Nintendo, 64. Les prix augmentaient. Les jeux de Wii, je pense qu'ils vendaient 20$ sur ici au Canada, sur la eShop. 12, 15, 20, 20. Attends, les jeux de quel? De Wii, Control? genre Ah Metroid, Trilogie, puis ben, en Mario. fait, ils ont commencé à sortir à 10$ quand tu les achetais Ben, tôt, première puis semaine. après ça, ils remontaient à 20$. Hein. Ce qui est cher Un peu chien, ouais. pour un jeu En qui même date temps, de j'ai 5 réussi ans. à avoir Metroid Prime Trilogy qui est introuvable, mais ben, j'ai réussi à le trouver quand même. Mais ouais, pour 10$, c'était merveilleux. C'est ça que j'ai joué là, tout le long. J'ai même pas besoin de toucher au CD. Là, check ben, je vais le mettre dans ma console, puis il est pété. J'ai payé 70$. Bon. Mais non, c'est ça. Ça me permet d'éviter d'user le matériel. Ça, j'aille pas ça. Des Virtual Console, là, je trouve que c'est un bon move, là. Tu sais, si ça me permet de jouer puis pas me faire chier, je pourrais le pogner potentiellement illégalement, mais c'est moins de trouble. T'as-tu vu Sonic Generation aussi à la Switch? Ouais, J'ai mais vu le oui. trailer genre il y a 2 jours, moi. Pour vrai, il Ouais. était toujours rare, on l'avait vu en Ah, direct. ça se peut. Non, mais il avait annoncé qu'il y avait un jeu Sonic, mais sur le coup, mais après ça, il ne l'avait pas présenté tant que ça. C'est plus tard qu'après ça, tu as vu que ah oui, c'est ça le jeu de Sonic qui sortait. Fait que toi, je sais que tu es tout le temps à l'affût de ces vidéos-là, mais moi, je suis tombé dessus en naviguant c'est quoi les jeux qui allaient sortir au release. C'est pas un Puis, vieux release, non, Sonic c'est un Generation. nouveau. Ben, Parce que moi, histoire je l'ai vraie, fait c'est au l'ancien. PC. C'est un jeu. C'est Sonic Generation, Le c'est un. nom, ben, il s'appelle Génération ou quelque chose de En l'une. génération, c'est un jeu de Wii. Non, je sais. Sonic Mania. Sonic Mania. C'est-tu Mania? Ouais. Ah, cerveau de merde. En tout OK, cas, ben, je vais vous l'accorder parce que je croche histoire pas. courte, ce jeu-là, c'est exactement ce que Nintendo devrait faire plus souvent. C'est-à-dire, il y avait Nintendo, Sega avait fait un Sonic 4 qui sortait par épisode, qui était avec des contrôles à chier, qui était pas bon. Puis, il y a des fans made qui ont créé un engin, puis qui ont créé un jeu de Sonic qui émule parfaitement, t'as le feeling du vieux Les Sonic. anciens, bah Parce que c'est des fans finis, puis ils ont programmé ça, puis ces gars, ils ont fait, regarde, on va arrêter de se faire chier, on l'engage.
ce gars-là a fait sa petite compagnie, puis c'est lui qui fait ce jeu-là. Ah, c'est cool, ça. Puis tout le monde le dit sur n'importe quelle console, sur Switch, PS4, t'as vraiment l'impression de jouer à un nouveau Sonic. Il a créé des nouveaux tableaux visuellement avec des nouvelles zones, des nouveaux visuels, c'est pas des reprises de d'autres. C'est des nouvelles mécaniques, ça, c'est le fun. Aussi, mais t'as vraiment le feeling authentique, puis visuel. Mais la pub dit genre « des nouveaux tableaux, des nouvelles mécaniques, des... » T'es comme « hey, ta gueule, c'est vieux Sonic, mais nouveau, là, tu sais, je veux juste jouer un petit peu, puis... » Puis voir qu'est-ce que ça donne, puis vends-moi le pas 59$ ou 79$, c'est sûr, j'achète pas. Là. C'est ça, genre 25$, 30$, c'est pas mal ce que je suis willing de mettre maximum, mais je sais, ils vendent une cartouche, fait que c'est sûr qu'ils boostent le prix de 20$. Là. Moi, les trailers que j'ai vus, c'est les 1-2. Honnêtement, le 1-2 Switch, quand j'ai vu la présentation, j'étais avec toi, Pinard, j'ai vraiment. En fait, au début, j'ai fait. C'est malaisant, les cowboys. La console, ça doit venir avec la console, fait que même si c'est venu, on s'en fout. Mm-hmm. Ouais, mais là, ça vient pas, ils le vendent. Puis là, ce qui sort de plus en plus, c'est que les gens qui l'essayent disent finalement, c'est vraiment le fun, c'est surprenant, puis il y a 28 mini-jeux. Mais tu sais, en même temps, un de nous l'achète, puis on va être correct, là. On pourrait l'acheter à gagne. Je vais attendre deux ans, puis à un moment donné, je vais l'acheter à rabais full, là, parce que tout le monde. Ceux qui vont l'avoir acheté, ils vont s'en foutre après une couple de mois, puis ils vont en avoir plein sur le marché. Fait que, ça fait tout le temps ça. Nintendo Land, tu l'achètes pas au release à 59$. Là. Il vient avec la console, puis la titre. Ouais, mais tu peux l'acheter séparément, puis. Ah. C'est pas le jeu que tu peux revendre ben, là. Non. C'est sûr. C'est des bons prototypes, mais. L'autre que j'entends tout, parce que là, ils font essayer la. Nintendo sera quand même proactif, là. Ils font des événements partout, font essayer la Switch au public, vraiment la rentre, la mettre partout. Puis ce que le monde dit beaucoup aussi, c'est ARMS. ARMS, il paraît que c'est. Ouais, ça a l'air de fun. Mais il n'y a pas assez de personnages. Le monde dit que c'est surprenant les consoles. Ben, il en révèle à toutes les semaines des nouveaux personnages. Ah ouais, ok. Parce que moi, au release, il y avait l'air d'en avoir quatre. Ils ont montré cinq personnages de base, puis on dit, c'est pas ça. Ouais, c'est vrai, il y a deux bonhommes qui ressemblent au bout, le ninja puis le personnage principal. Là. Mais c'est vraiment juste ça qui me boquait un peu. Puis tu sais, il y a des armes qui font que ça varie un peu la façon que tu handles le personnage, mais je sentais un peu comme, tu sais, Mortal Kombat 1, quand il est sorti, c'était capotant, je pense qu'il y avait quoi, 8 personnages, même pas. Puis t'embarquais dedans, puis t'étais comme, ah, waouh, jamais vu ça. Mais rapidement, t'es comme, ouais, j'ai fait le tour des 8 personnages, je t'en ai des joués. Fait que quand les autres Mortal Kombat 2 est sorti, puis là, t'avais le 3 qui avait comme, je pense, 26 personnages, c'était absurde, tu connaissais même plus le nom des bonhommes. Puis il y avait à peu près 10 ninjas, tu sais, Sub-Zero, Scorpion, Reptile, puis tout ça. Il y en avait que tu connaissais même plus, c'était quoi un pouvoir. Cyrex. Bref. Non, Cyrex, ça, je l'aimais pas. Non, c'est un autre. Cyrex, puis Sector, puis ça, c'était comme les Cyborg Ninja, là. Mais oui, t'avais Smoke, t'avais. Le Mauve, c'était qui lui, Mauve? Je me souviens plus. Le Mauve, c'était un des spéciaux. Je pense que c'est Noob Saber. Rose Douceur. Rose Douceur, oui. Puis, mais bref, fait que tu sais, plus de personnages, à un moment donné, tu satures aussi, t'en as trop, mais c'est quand même intéressant de pouvoir varier, tu sais. Tandis que Arms, j'ai l'impression que je serais comme, oh, je suis Monsieur Mommy, puis ouais, j'ai du fun pendant 20 minutes. Puis à un moment donné, je veux plus attaquer. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y avait beaucoup d'autres personnages, puis des personnages qui se jouent complètement différemment. Fait qu'on verra. Mais moi, je pensais me chercher. Mais juste combo aussi, ça ne dure pas super longtemps d'habitude dans nos sets. Là. Si on joue, on a bien du fun pendant comme une couple de soirées, puis après ça. Fait qu'il ne faut pas qu'il soit 79 encore là. Moi, mon best encore, ça reste Killer Instinct. Fait que je suis vraiment Mais j'ai bien aimé Marvel vs Capcom 3. Et j'ai eu bien du fun avec, mais même là, j'ai joué peut-être un mois avec, puis that's it. Puis j'ai joué, ça, c'est le jeu de combat que j'ai joué, je pense, le plus des derniers temps. Mais c'est logique un petit peu aussi, là. Tu veux pas. Je sais que les compagnies font beaucoup ça. Ils veulent que tu t'accroches à un jeu que tu joues durant des années et des années et des années. Je donne un exemple Diablo 3, où c'est que j'ajoute des expansions à toutes nouvelles features à toutes les X mois, puis là, ça finit plus. Ben, tu sais, je veux pas à un moment donné, un mois après, tu décroches du jeu, là, t'es rendu à jouer à un autre jeu, tu fais d'autres choses. C'est sûr, mais je rentre plus jamais dedans. Il n'y a jamais un moment où est-ce que je vais me dire, oh, il me semble que je jouerais une petite game de ARMS. C'est pareil avec Super Smash Bros. Ouais, je l'ai pogné, j'ai fait « Ah, j'ai eu du fun pendant un petit bout, j'ai vraiment pas joué autant que j'aurais dû. » Non, on n'a pas... J'ai jamais le goût de le repartir, jamais. Il n'y a pas un moment où je suis comme « Hey, j'ai le goût d'aller me battre contre le CPU, ça va être le fun. »
Ben, la problématique qu'on a eue aussi avec Smash Brothers, c'est que t'sais, le plus fun, c'est de jouer avec 8 personnes, ok, on s'entend? 8 personnes qui jouent en même Ouais, c'est le temps, ben, chaos, ça donne que clairement. tu as plein de niveaux de difficulté différents. T'as du monde qui sont pas habitués à jouer au jeu, Ouais. puis t'as du monde qui sont super habitués. Ouais. Ça crée Ah de oui, c'est l'atmosphère, absurde. c'est pas évident. Ouais, quand t'as du Ouais, monde, c'est pas. c'est pas balançable. C'est comme si je tenais la manette à une main, puis je battais Alexandre Gendron de même. Bon, et puis lui, il se met tout le temps dans le coin et puis il fait juste donner un coup de poing que. C'est quoi Balrog? Non, c'est C'est Combo. comme Ouais, il dit Kijo. Combo. Oh, quel instinct. C'est ça. C'est Gendon, on te déteste! Mais ça peut nous mener à parler justement des DLC parce que là, hier en fait, Zelda Breath of the Wild vient d'être annoncé, il y aura des DLC. Ouais, le Season Pass. Ça Il n'y aura m'étonne. pas moyen de les acheter séparément, par exemple. C'est la Ah Season non? Pass. Ça comprend, c'est en deux parties. La plus grosse vient à Noël prochain. Puis ça, c'est quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, Guillaume, de retourner dans un jeu après qu'on l'a fini, est-ce que c'est vraiment toujours pertinent? Est-ce qu'on le fait vraiment, tu Oui. Moi, je trouve que c'est ça qui fait que, tu sais, Fallout 4, je serais jamais retourné dedans. L'histoire était vraiment bland, était très plate, pour prendre le terme anglais. Puis non, j'avais aucun intérêt à retourner dedans. C'est quand j'ai vu c'était quoi les DLC du Season Pass, ça ressemblait à quoi, c'était quoi les reviews, que là, j'ai pris intérêt à, ah ouais, quand il va baisser de prix. Je voulais attendre qu'il tombe à 25$, parce que moi, un Season Pass, plus que 25$, d'habitude, j'achète pas ça. Fallout 4, les Fallout, j'ai une faille là-dedans, c'est un peu comme Metroid, tu peux réussir à venir me chercher plus d'argent, parce que j'ai un effet nostalgique, j'ai un effet d'entraînement à cause des bonnes expériences que j'ai eues dans le passé, qui commence à s'égrener parce qu'ils font des pratiques du genre un peu connes, puis j'ai l'impression de me faire arnaquer à chaque fois. Mais ça fait que oui, je retourne dans le jeu, j'ai le goût de jouer parce que j'ai du nouveau contenu, j'ai de nouvelles affaires à faire. J'ai fini la single quest de la façon que je pensais que j'aurais aimé, puis finalement j'ai détesté. Mais là, tu sais, j'ai un autre univers qui s'est ouvert, j'ai d'autres aventures, j'ai d'autres trucs, puis je suis capable de mettre ça derrière moi. Fait que je trouve que oui, c'est une bonne façon de ramener le monde dans ton jeu. Ce que je trouve dommage, par exemple, c'est que ça soit une barrière aussi difficile à surmonter pour réussir à avoir accès à ce contenu-là. C'est pour ça que le Season Pass, je pense pas qu'il a annoncé les prix, j'imagine. Ouais, ben c'est 20 $, 20 piastres? j'imagine européen, ouais. Européen, ouais. 20 euros, c'est Ben presque ça, 20 c'est. piastres, là, mais. Ben écoute, moi je m'attends à peu près à 26 ici, 25, là, Ouais. si je veux l'arrondir. Mettons 25-30 piastres, dépendant de Mais non, l'étendue du il parle contenu, ça d'un peut être tout cool. nouveau bloc d'histoire, mais qui arrive à Noël prochain, un tout nouveau donjon. Puis cet été, on va avoir une caverne qui descend avec des défis, là, comme il y avait dans d'autres Zelda, dans Wind Waker puis dans Twilight Princess. Une nouvelle fonction pour la map. C'est juste marqué ça, on ne sait pas c'est quoi. Oui, C'est c'est très. ça. Puis jour 1, Tu on peux reçoit. filtrer tes donjons. Jour 1, le 3 mars, tu reçois. Il va y avoir trois coffres de plus de popés sur la map, sur le point de départ. Pour moi, c'est juste un bonus, puis ça compte pas, là. Trois coffres, ça Ouais, veut dire dont quoi, un genre? qui contient un truc que je ne porterai jamais, qui est juste drôle, ben c'est un L'habit du chandail. mailman. Ça, c'est Alex serait content. Ah non, pas l'habit du poste. Du Du postier. facteur, Non, ouais. c'est un chandail avec le logo de la Switch dessus. Ça Non, mais non. briserait mon immersion que Link My porte ça. God. Quatrième Mais mur, il est important dans les jeux, là. c'est sur la version Wii U. Mais non, je te dirais, ouais, c'est la quantité de contenu est pas pire. Puis juste, te citer un exemple, quand on a joué à Hero Warriors, ils ont fait un Season Ah Pass, ils ont fait des DLC, puis le contenu était intéressant, il était bon. Pareil, Mario Kart, ils n'en ont pas fait assez, ils auraient pu exploiter ça pas mal plus, mais je trouvais que les prix des DLC de Nintendo, pour l'instant, ils n'ont pas l'air trop abusifs, mais d'habitude, ils offrent une bonne formule. J'ai pas de notion non plus, mais j'ai peu Hero Warrior, d'expérience. Hein? 400 heures, Hero Ah, ben, c'est un bon jeu. Warrior. Mais c'est ça, j'ai pas Il faudrait connu le sous. Nintendo faire des DLC trop chers pour trop peu de contenu à date. Il y a encore temps qu'ils se plantent là-dessus, là, mais s'ils s'enlignent là-dessus puis ils restent fidèles aux joueurs, ben, moi j'ai pas de problème. Mais parlant de ça aussi, on peut enchaîner vers. Donc, moi je vais l'acheter, en tout cas, c'est sûr, parce que bon, c'est Zelda, là, mais c'est juste que je me demande, je vais passer énormément de temps à partir du 3 mars à Hyrule. Est-ce que ça va vraiment valoir la peine que je revienne à Noël prochain? Sérieux? Effectivement. Oui. Sérieux? C'est sûr, tu vas Oui, vouloir. mais
Il y a de quoi aussi que... Moi, ce qui arrive, c'est que... Tu vas vouloir une pause, puis tu vas y retourner maintenant. Je sais, mais quand je joue à un jeu, je deviens vraiment très bon. J'arrête, mettons, 2-3 semaines, je reviens dans le jeu, puis je suis une merde, souvent. Dans certains jeux. C'est comme une course. Si le jeu est comme... Il a l'air de, tu sais, un peu comme Skyrim ou Fallout, mais les mécaniques sont simplifiées, parce que, tu sais, ce qui est tough dans Skyrim Fallout, c'est de revenir des mécaniques, tu sais, tu comprends plus qu'est-ce qui se passe de rien. Zelda, je pense pas qu'il va être aussi compliqué que Breath of the Wild. Je pense qu'il va être... tu vas avoir, oui, ton costume, tes armes et tout. Tu vas avoir des techniques de combat. Mais je pense pas que ça va être à ce niveau-là de recomprendre, de te réimmerser dans l'univers. Je pense que tu vas juste être capable de prendre la Switch puis aller explorer. Puis tu vas tout reprendre les rouages du jeu. Fait que d'avoir du contenu par après puis retourner dedans, ça va aller. Puis tu vois, Fallout 4, j'ai joué, oui, 200 heures, mais ça fait presque un an que j'avais pas joué. Je suis retourné dedans. Oui, au début, j'étais comme, ah ouais, comment ça marche? Puis je suis tout embarqué. Fait que tu peux faire le Switch facilement. Le Switch. Ah, le Switch. Alex, ça va être un achat pour vous ou la DLC de Zelda? Probablement, mais je la jetterai pas dès le début. Là. Ça va dépendre qu'est-ce que ça a de l'air. Non, paye pas en pre-order parce que ça fait juste donner un chèque en blanc pour se planter. Fait que t'es mieux d'attendre quand il sort. Puis ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Achète-le quand tu vois qu'il est bon. Mm-hmm. Si tu le pre-order puis tu leur donnes cette espèce de il semble pas y avoir vraiment de nécessité de l'acheter là parce que tout ce que tu as, c'est du fuck-off puis avec des objets utiles. C'est ça qui manque, des objets utiles. Puis en même temps, je voudrais pas que ce soit de quoi qui brise le jeu, tu sais, d'une arme trop forte qui fait que dès le départ, j'ai une arme super forte puis là, j'ai pas l'expérience de Zelda. Tu sais. C'est la Giant Sword des Gorons. Des Gorons. Mais, j'ai fait ce gaffe là à un moment donné à acheter en pre-order. J'ai acheté Alice McGee 2. Ça, c'est Alice au Pays des Merveilles, ça? Ouais. C'est American McGee, c'est Alice. American McGee. En pre-order, il était supposé venir avec le jeu du 1. J'ai jamais été capable de l'obtenir de EA. Ah, ouais. Ils m'ont envoyé les soundtracks, soundtrack du jeu. Fait que là, j'avais ça. Fait que c'est comme si j'avais reçu la moitié des items que j'étais supposé recevoir. Puis je l'ai payé full prix. Puis finalement, 2 mois après, il était rendu à 20$. Là. Ouais. Fait que là, tu sais, j'ai même pas eu toutes les choses que j'ai que j'étais supposé d'avoir. Puis en plus, ils descendent terriblement de prix 3 mois après. Non, c'est pas... C'est weird. C'est une pratique commerciale, je trouve, qui est malhonnête. T'sais, ils ne devraient pas essayer de venir chercher directement l'argent de notre portefeuille. Ils devraient mériter notre argent. Tu vas pas au restaurant, puis c'est vrai. Tu vas au restaurant, tu donnes l'argent avant d'avoir ton burger. C'est comme si tu allais acheter ton burger, tu donnes l'argent d'avance, puis là, ils disent on sent un sac. Fait qu'il t'écrase un burger tout croche, tu as le sac à terre, puis là, hop, je l'ai échappé, puis tu le redonnes. Puis ils disent, mange-le, puis fait, ouais, mais là, non, j'ai pas aimé ça. Ah, fuck you. Tu m'as payé, mange de la marde que je te donne. T'sais. Donner le tip en avance, ça a plus d'analogie. Tu donnes le tip en avance, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre, ouais, ben, ça mais pourrait être. Ouais, pour Zelda, je ne comprends pas le timing de l'annonce. Parce que là, vous me dites, il va y avoir des DLC. Puis depuis les journées d'avant, ils se faisaient demander en entrevue, est-ce qu'il va y avoir des DLC? Puis ils disaient, on n'a pas de plan, nanana. Là, ils annoncent un plan précis, alors que le jeu n'est même pas sorti. Mm-hmm. Et ça fait. Mais ça fait bizarre. Ça fait comme, OK, mais je sais même pas encore s'il y a assez de contenu dans le jeu, si l'histoire est comme satisfaisante. Est-ce que, probablement, là, c'est Zelda, mais ça lance un message étrange de dire, il va y avoir d'autres blocs d'histoire qui sortent. Ah, tu trouves? Non, je paranoïerais pas là-dessus. Non, j'ai l'impression que c'est juste qu'il n'y avait pas encore la confirmation de leur équipe, puis... Puis là, on a décidé, ah oui, on est d'accord, puis OK, on le fait. Nintendo sont très naïfs, je trouve, là-dessus. Ils sont pas si, tu sais, manipulateurs, machiavéliques. Je sais. Ils sont plus comme, hey, on s'en vient, le jeu, vous l'aimez, yeah. Je sais, mais me semble que t'attends pour redonner un souffle de vie au jeu. Tu m'aurais dit ça cet été, j'aurais fait, ouais, tu veux le contenu qui s'en vient. Puis ça dit, le pack 1 sort là. Puis là, j'aurais trippé, tu sais. Pareil, comme Mario Kart, en ce moment, je le rachèterai pas. Même si j'adore ce jeu, je le rachèterai pas parce que la seule nouveauté, c'est 4 pistes de Battle Mode. Ah non. Et puis, le Battle Mode de la plateau. En entrevue, ils disent on n'a pas vraiment. Ils veulent pas répondre à savoir s'il va y avoir des DLC, ils sont pas certains. Mais tu sais, si vous ajoutez des coupes, vous ajoutez 16 pistes, je le rachète comme un tata. Mais moi, je le rachèterai au moment qu'il ferait le DLC.
Parce que là, tu sais, présentement, ça fait trop. Ça fait pas assez longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart. Puis c'est ça. Je l'achèterais peut-être un moment donné sur un élan de faiblesse en me disant ah ben ouais, pour le fun. Des meilleurs graphiques, la Battle Mode va peut-être être le fun. Mais c'est sûr que si à un moment donné, ils me lancent des nouvelles maps et tout, ben là, je serais comme oh ben ouais, ok, je veux pas y. Fait que peut-être c'est ça qu'ils vont faire. Peut-être dans genre comme 4 mois après que le lancement, puis ils voient les ventes ont été quand même correctes, ben peut-être ils vont faire ah oh, ouais, on va faire du contenu supplémentaire. Mais en même temps, Nintendo est pas. Je trouve qu'ils sont pas assez, tu sais, justement, sont naïfs, mais ils sont pas assez intelligents là-dessus. Ils n'ont pas le business Non, intelligence. puis Fait que ils sortent pas des je pense choses pas qu'ils vont le faire. qui m'impressionnent. C'est comme ils se vendent quasiment hey, trois nouveaux personnages et trois nouveaux chars. Dans ma tête, c'est comme sérieux, là. C'est pas Ouais. comme si c'était des années à modéliser un petit char là, Ben non. de Mario Kart, là. S'il Vous m'impressionnez pas, là. vous plaît, achetez notre jeu 80$. C'est Il y a ça. juste trois Je petits pense chars de que je vais sortir plus. 100 piastres. Ouais. Puis même les pistes, t'sais, quatre pistes de Battle Mode, ok, mais. Ben, puis Sans que tu fais maintenant. vite le tour, là. Puis, juste dans ma tête, j'en imagine plein. Puis si tu fais des remakes, en plus, il y en a des remakes des vieilles là-dedans. Non, c'est pas assez. Non, C'est clairement pas. toujours ça, hein? C'est Non, le. c'est une grosse déception sur Mario Kart. Je trouve qu'ils n'ont pas assez poussé les features qu'ils auraient pu améliorer. Tant qu'à faire une nouvelle édition, tu sais, donne-y un souffle, Ouais. gonfle-le, rends-le impressionnant, tu sais, fais pas juste Parce que. comme de luxe, puis finalement, C'est ça. Puis il y moi, a j'étais juste des encore DLC pas enculé. inhérents. Pour moi, le Battle Mode, c'est le Battle Mode qui aurait dû être dans la version Wii U. Ouais. Puis, elle aurait dû, tant qu'à ça, sortez-moi là à 9 $ pour la Wii U, puis je vais l'acheter là à place parce que j'ai tellement dépensé sur la version Wii U que je trouve ça tata de redépenser là. Ah, mais même là. Mais encore là, il faudrait juste voir il ressemble à quoi. Parce qu'à date, ce que j'ai vu de Treehouse, là, un, le monde de Treehouse qui sont super biaisés, avait l'air de s'emmerder comme des fous. Fait que je me disais, ils Ben, s'en regardent j'ai vu mal. des gens jouer, puis je parlais à des gens qui ont joué, qui ont Puis ils vraiment trouvaient ça qui apprécié. était correct. OK, parce Non, que c'est aussi le fun qu'ils disent que le Super Nintendo 64, là, ça c'est sûr. C'est quoi? C'est aussi le fun que dans le temps du 64, là. T'es sûr? Oui. Parce qu'en tout cas, le Ils ont mode Bob-omb, mis ça, c'est clair que ça quatre plante total. modes. Il y a le Bob-omb, il y a les sous, il y a les ballons, il y a toutes sortes de modes, là. Ben, les bob-ombs viennent avec les ballons. Ce qui est weird, c'est que quand tu perds tous tes ballons, tu meurs pas. Tu as juste perdu un multiplicateur qui te permet de faire encore plus de points. Puis t'es Ah. comme, pourquoi j'ai des ballons d'abord, Caroline? Lâche-moi, je m'en sac de faire un multiplicateur de points. Tu sais, moi, je veux juste faire sauter mes amis, puis jusqu'à temps que j'ai tué. C'est ça un battle mode, c'est pas. Ah, j'ai fait plus de points L'affaire, c'est que pour moi, la que version Deluxe, comme ils appellent, c'est qu'ils ont juste remis les choses qui manquaient dans Wii U, tu sais, d'avoir un deuxième item en banque, puis des affaires de Ça, même. c'est cool. Ça, par exemple, c'est con, j'aurais payé genre 2 piastres pour avoir ça. Je veux mon item en banque. Ça n'a pas de sens d'avoir une banane. T'es comme, je suis pas rien qu'une banane derrière, je peux rien tirer. Ben c'est ça, mais c'est aussi qu'avant, on la On mettait derrière nous, puis stratifiait. on pouvait en ramasser un Ah autre, oui? puis là, c'est non. C'était le concept, c'était de réussir à dire, OK, comment je vais gérer mon bonhomme pour réussir à maximiser mon efficacité? Ben oui. À ça, c'est juste, ah, non, t'as pris de banane. Ah, j'ai une tortue verte m'a traîné en Yes. arrière. Fait que là, le 3, vous travaillez, vous êtes en congé le 3 pour recevoir votre Switch? J'ai pas regardé mon calendrier, là. C'est Un quoi comme jour? vendredi. C'est un vendredi? Ben non, c'est moi, il va arriver, puis je vais sûrement jouer en revenant du travail, là. Je prends pas Juste congé pour activer une pour prendre console encore, là. c'est pas un samedi. Le 3, ouais, c'est un vendredi. Non, c'est ça. Je vais sûrement l'avoir. En espérant qu'il ship adéquatement. Nous autres, on a pogné Best Buy, là, fait que. C'est mon stress là, de le recevoir. Ouais, ben surtout qu'au début, il nous disait ah, vous devez les recevoir le 21! Puis il paraît que c'est une erreur. C'est quoi, le 31, le 21? Ah, c'était C'est une terrible. date weird. Il y avait un chiffre de trop, là. Fait qu'on était dans le double digit. Fait que, bon, ben, ça a l'air qu'on va avoir la troisième batch. Ah, si jamais. Mais après ça, on a reçu genre 8 emails. Non, inquiétez-vous pas. Vous allez l'avoir à temps. Inquiétez. Non, n'hésitez pas. Arrêtez de nous écrire. On est tanné. On voulait l'avoir à temps. Ça fait longtemps que j'en ai pas reçu, là, fait que je commence à On a paniquer. reçu J'aime ça trois quand il emails faciles. y Ouais. 15 days, très flou. 12-20. a. 15 C'est tant qu'il. jours. C'est le décompte. Ah ouais, t'as une application pour le décompte, toi? Non, je l'ai ajouté à ma page de démarrage Network en bas. Nice. Anyway. Mais ouais, fait que moi, là, c'est. Toi, tu Ça l'attends serait vraiment. là. Ouais.
Mais encore là, toi, c'est parce que tu es tellement un fan de Zelda, puis toi, le lancement de la Switch, c'est pas juste la Switch, toi, c'est le lancement de Zelda. Fait que c'est d'avoir Zelda et la Switch, nouvelle console, tu découvres tout ça en même temps, toi, c'est sûr, plein de saveurs, je te conseille. J'attends Zelda plus que la Switch, parce que ça fait 5 ans que je l'attends. Ah oui. Ça, c'est certain. Pour recevoir la Switch, je vais faire « Yay! » Je vais brancher sur ma télé. « Oh, les menus sont en beau! » J'ai rien d'autre. J'ai pas de jeu, j'ai rien qui vient avec. Là. La chose à parier, c'est ça va-tu demander... 6 heures de OS update au début ou non? Oh non, non, s'il vous plaît, non. J'ai maintenant une bonne connexion Internet, ça devrait bien aller. Oui, ça c'est cool. En fait, mais oui, il va y avoir un update jour 1 qui ont dit pour activer les cartes SD. De quoi? SD, il va y avoir un update jour 1 qui avait dit pour activer les cartes micro SD. Pour activer? Ouais. Pourquoi il y aurait un update pour activer une carte? C'était pas dans l'OS. Ça supporte les SD, mais ça supporte pas les SD HC. Ouais, c'est juste l'update pour ça. Bravo, des les fois, gars. Ça rentre en production il y a longtemps. Fait que ça... Ben, je veux bien, mais merde. SD HC, ça fait un bout de kick. Ouais. T'es sûr que c'est pas SD XC ou. Hein? Il doit y avoir un autre mot standard qui était beaucoup aidé. Là. Non, mais ça me semble que c'est SDXC. SDXC. Ouais, c'est ça. Parce que les HC, on a ça dans nos 3DS. Là, non. Mais ouais. Mais même là, XC, tu sais, anticipe, Caroline. Je sais pas c'est quoi qu'il y a besoin de mettre pour dire 128 gigs. Disponible. Mais là, on est à 2 semaines et on sait pas toujours quoi sur le OS. On sait pas trop comment il marche. On sait pas les fonctions de la. Ah non, ah, ça serait débile. Tu le pars et t'es comme, c'est de la grosse bouette, genre, rien de faire. La console était 40, mais ah, on s'est planté sur l'OS. Non, Nintendo! Ouais. Ils peuvent pas faire avec la Wii U, là. Ben, c'est ça. Ah, plein de potentiel. Ben oui, une tablette, ça a du sens, puis ah, non, c'est de la merde. C'est mal utilisé. Puis... Là, il n'y aura pas d'application de genre Netflix et compagnie pour l'instant, pas de web browser. Achetez-vous un Chromecast, gang. Non, mais ça Apple TV ou ce que vous voulez, mais ça dérange pas toi, ça dérange pas moi, parce que je l'écoute dans d'autres choses, mais combien de personnes... Mais t'achètes pas ça pour ça, pour ça. T'es pas en train d'acheter, genre, une device qui est potentiellement portable ou sur ta télé pour écouter YouTube sur ta TV, tu sais, c'est... Il y a quelque chose de... que je trouve que on essaie trop de mettre des features partout. Tu sais, les télés intelligentes, moi, je trouve que c'est aberrant. Je peux comprendre qu'il y en a qui sont intéressés par ça, mais je te dis, dans ma belle famille, essayer de partir YouTube, ça prend 30 secondes juste pour starter le logiciel. Ça prend 3 minutes essayer de taper le nom. Quand tu le tapes, ça prend 3 minutes pour réussir à avoir le mot d'affaire qui load. Puis quand il load, il saccade, puis il y a une qualité de merde. Puis c'est pas mis à jour parce que ça prend un maintenance de fou. Fait que moi, les affaires, les YouTube, les Netflix sur des devices, oui, il y a un device qui fait ça. Achetez-vous ça comme tu t'achètes un DVD player, tu t'achètes un Blu-ray, tu t'achètes un VCR, ben tu t'achètes un K5 qui te permet de streamer. Puis ça, c'est un add-on à ta télé, c'est un add-on à ton device. Mais commence pas à le mettre dans tout. J'ai à peu près 8 affaires qui me permettent d'écouter YouTube sur ma télé. Ça n'a pas de sens. Mais tu choisis lui que tu préfères. Ouais, c'est ça. Qui donne la meilleure expérience. Moi, je l'utilise sur mon lecteur Blu-ray. Puis Netflix, je le pars, puis ça marche number one, rien à dire. Je te donne le choix, Guillaume, au-delà de ça, puis il y a beaucoup ben, de jeunes... c'est ça, c'est jeunes qui me donne pas le choix. Eux, puis... Mais c'est qu'il me le force, il me l'installe, j'ai YouTube pogné dans ma Wii U depuis le début. J'ai pris les comptes, puis il a fallu que je fasse, je vais l'envoyer dans le menu le plus loin possible, juste pour pas qu'il soit dans le chemin. Non, ça, là, c'est ça, weird, ça bouffe de l'espace sur ma console. Qui pas soit préinstallé, c'est qu'il soit pas disponible, il est pas sur le eShop, il est pas nulle part. Ça prend de l'effort, ça coûte quelque chose. Tu peux pas l'avoir, c'est pas gratuit. Même si, tu sais, oui, il est gratuit à tout le monde, il y a des développeurs qu'il faut qu'ils développent ça. J'aime bien mieux qu'ils développent un autre logiciel, mettons le Instant Messaging Service, sur ton cellulaire, à place de te faire un logiciel de YouTube là-dessus. T'sais, si tu as un choix à faire entre les deux, il y a des affaires vraiment plus importantes. Ouais, mais c'est Netflix qui développe son app. Non, ouais, c'est ça. Oui. Non. Ben non. Ouais, ça serait Nintendo qui ferait l'app de Netflix. C'est un mix. Il faut que Netflix réussisse à investir de l'argent là-dessus, mais il faut aussi que Nintendo soit en contact avec Netflix pour réussir à le faire. C'est pas complètement gratuit, cette affaire-là. C'est pas complètement facile à développer.
Fait qu'en tout cas, moi je trouve que c'est pas perdu. On l'a vu, ça Wii U, ça marche pas. Fait que... Mais c'est parce qu'avec les nouvelles fonctions de Netflix, comme quoi on peut downloader des films et tout, je m'aurais vu, mettons, partir à dormir quelque part, télécharger deux films dessus, puis traîner une device. Ouais, mais mon sel. Ton sel, tu vas pas partir sans ton sel. J'ai jamais écouté de film sur mon sel, c'est trop petit. Comment ça, c'est trop petit? Ta Switch va être un petit peu plus grosse, ça va être une phablette. Ça va être 7 pouces. Non, non, c'est gros de même. Ben ouais, on peut pas vraiment. Hein, c'est gros de même! Non, c'est variable, mais non, c'est, si tu regardes avec tes mains, ben, c'est à peu près la grosseur d'un gros téléphone. Genre à peu près un téléphone de 6 pouces et demi, 7 pouces. Moi, j'ai un Motorola X-Play, puis c'est à peu près 6 pouces, puis c'est bien en masse pour écouter ce que j'ai besoin. Et c'est sûr que je ne vais pas l'écouter à bout de bras, mais je le rapproche, puis j'ai pas de problème. Je suis à chiotte en permanence à écouter YouTube là-dessus. Ben, pas en permanence, c'est moi, je fais le mot. Ça dépend des préférences des gens. Ben oui, non, je le sais, mais c'est parce qu'on a déjà accès tellement. Je trouve que c'est. T'sais, moi, j'ai plus la mentalité, il existe quelque part, tu l'utilises là, tu donnes deux, trois choix, c'est certain, tu fais pas un monopole. Mais quand tu es rendu à l'avoir à 10 millions d'endroits, puis le monde chiale encore qu'il l'a pas à 10 millions et un endroit, come on, les gars, là, t'sais, faut pas capoter. Là. T'sais, si on était dans un monde aride que tu n'as pas le choix, là, je serais plus de votre avis, mais j'ai trop de choix présentement. Puis mon scénario que j'utilise présentement, de l'avoir sur mon cellulaire, que je Chromecast dans ma télé, puis que j'ai juste ce scénario-là, et j'ai même plus d'ordinateur branché sur ma télé depuis que j'ai ça. C'est magique. Puis ça coûte 50$ un Chromecast versus, tu sais, qu'est-ce que tu vas payer pour avoir ça, ton device, mettons ton Blu-ray, pour avoir YouTube dessus, parce que c'est un feature commercial. C'est parce qu'il y a déjà un Blu-ray, parce qu'il lit des Blu-ray. Non, il lit des Blu-ray, oui, mais tu peux l'acheter pour qu'il fasse en plus tout le smart shit. Tu sais, quand tu achètes ta télé smart, tu achètes une dumb TV, tu vas payer 200$ de moins, mais si tu achètes le smart TV, là, il bouffe de 200$. Qu'est-ce que ça a pris de plus? Je pensais que ça n'existait plus des pas smart. Non, non, moi j'ai une dumb TV, il n'y a pas pantoute YouTube, c'est la mienne. Le smart, c'est parce qu'il faut qu'il mette un CPU pour être capable de gérer la partie smart. Ouais, qui souvent était trop pour le hardware en plus. Ah ouais, puis la 3/4, mon père n'utilise pas ça. C'est super. Je suis comme, voyons donc. Tu sais, puis lui, il n'a pas de Chromecast à rien, mais il pourrait l'utiliser. Mais il est juste, ben, il est là. C'est comme, ben, ok, mais. Ben, mes parents, leur seul moyen d'aller sur Netflix, c'est leur lecteur Blu-ray. Ils n'ont pas d'autre appareil à la maison. Ils n'ont pas de cellulaire non plus, tu sais. Non, c'est sûr. Mais t'as un choix. Tu vois, ils ont leur Blu-ray. Fait que là, il y aurait le Blu-ray, puis une Wii U. Puis tes parents n'achèteraient pas de Wii U. Non, ils n'achèteraient pas ça. C'est pas le meilleur cas, là, mais un jeune, mettons, tu sais, nous autres, on achète une Switch. Tu sais, combien t'as de devices, toi, qui te font ton Netflix, là? T'as minimum 3. T'as pas le rapport. Puis, ben, tu sais, en même temps, nous autres, on est très connectés, mais n'importe quel de mes amis qui ont au moins une PlayStation ont au moins 3 devices qui ont Netflix dessus. C'est là que je trouve que c'est bizarre, là. Ah ouais, tu sais que tu as deux choix en partant, déjà tu commences à saturer. Quand tu es rendu à 3, tu fais OK. C'est comme si tu avais 3 Blu-ray chez vous parce que tu avais un PlayStation 4, tu avais un Blu-ray player, puis tu avais un gogos qui joue des Blu-ray en même temps que ça fait ton café. Genre, tu es comme ben oui, il est là. Je sais jamais, mais si je veux, je peux plugger ma carte à ma télé, puis je peux jouer des Blu-ray. T'sais. C'est un peu comment je le vois. Ouais, mais je vois ça quand même comme un plus, vu que tu peux l'accrocher avec le support télé en arrière. Fait que t'as l'auto, là tu peux écouter un Netflix là-dessus avec tes enfants au lieu d'acheter une télé qui va sur en arrière de ton auto, les affaires là-même. Ouais, mais encore là, t'as un iPad. Quand t'as un enfant, t'as une tablette ou t'as un téléphone. Fait que puis tu sais ça, tu y mets dans les mains. Mais anyway, j'ai pas un piquet devant Nintendo. Non, mais t'es pas Netflix! C'est pas ça que je dis, là. C'est juste. C'est le monde qui pète une coche à cause de ça, je trouve. C'est. Ouais, mais pensez un petit peu, OK? Mettons qu'ils mettraient Netflix sur la Switch. Tu vas acheter une tablette à tes enfants ou tu vas acheter une Switch? J'achèterais ni l'un ni l'autre, je l'ai. Non, mais non, je serais plus genre acheter une Switch à mes enfants. Ouais. Mais regarde, on va sortir chacun de notre poche, notre cellulaire. On a un en partant. Oui, moi, quand je conduis, je ne veux pas utiliser mon cellulaire. C'est même pas j'achète un téléphone cellulaire à mon enfant, j'y passe mon cellulaire. J'y ai fait un compte parce que je veux pas qu'il aille voir ma porn. Non, pas du tout ça. Mais j'y passe mon cellulaire, puis il peut aller consulter YouTube, Netflix, tout ce qu'il veut, là, tout ce que de contenu que je veux qu'il puisse aller les checker. Puis si c'était ma grand-mère, même chose, ça serait encore mon même cellulaire que je passerais à ma grand-mère sur le siège arrière. Ah, pas moi. Mais ça dépend des personnes, c'est correct. Ah oui, ouais, c'est certain. C'est certain, tu sais, si tu veux avoir Netflix, fine, mais encore là, moi, c'est si j'ai un choix avec les deux, si j'ai un choix avec Netflix ou, tu sais, fais-moi Instant Messenger sur cell même en plus, là, c'est même pas sur la Switch que je veux, mon Instant Messenger, moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait sur le cell. Ben oui, fine, go.
Ouais, ça, c'est l'avis est assez Ah, contraire. je sais, je suis clairement pas dans l'opinion classique du fanboy. Ben c'est comme moi, D'ailleurs, si vous regarde. êtes de cette opinion-là, je suis pas contre vous autres non plus, hein. C'est vraiment juste Ben, comment moi, moi je vois pourtant, les choses, j'ai l'air comme de... je joue Non! jamais à des jeux vraiment micro, fait que ça me concerne pas tant que ça, là. Splatoon, ça m'a manqué, mais on a trouvé d'autres solutions. Mais en même temps, le problème de Splatoon, c'est que dès le début, on ne pouvait pas jouer avec nos amis. Puis avec les gens, on a décroché quand ils ont installé la feature, on ne jouait plus. Fait que, Ah ouais. Puis c'est une sinon, c'était question de mettre complètement les priorités au géré bon place. par des joueurs trop professionnels là, qui arrivaient avec le pinceau puis nous sacraient ça dans la face. Fait qu'on était comme ah ben je suis pas bon. Bye. Mais sinon, grosse nouvelle sur la Switch aujourd'hui, le porte-parole au Québec a été annoncé. Ouais. C'est Jonathan Roberge. Félicitations. Yeah. Avec Joe Très Roberge, bon choix, très bon choix. porte-parole de la Nintendo Switch au Québec. Alors, le chanceux va, dans les prochains jours, toucher à la Nintendo Switch. Toucher. J'espère qu'il va bénir ses mains. Oh. Ben oui, c'est très cool pour lui. Ben oui, c'est un beau projet. On va probablement Fait que là, il va avoir une casquette avec tout le temps une manette de Nintendo de NES à la tête, puis son t-shirt, ça va être I love Mario. Ça dépend du salaire, bien sûr. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Mais je sens qu'il va avoir accès à beaucoup de merchandising. Ah oui, il y avait déjà les souliers, là, il y a des souliers Nintendo puis des casquettes Nintendo, il y en avait assez. Il m'a montré ça quand on faisait Oh, oui. pas Ben, longtemps. tu sais, on les achète toutes, justement. Là. Ben, Je suis lui, en il ai savait partout. Je ne suis pas gratuit. Cup Noodle, mais Lui, il tu se sais, donnait pour. j'affiche Nintendo sans aucun problème. Là, tu sais, là, présentement, j'ai un T-shirt Terminator, puis je me fais pas payer pour ça. Moi, j'ai un t-shirt bleu. Oh, d'une compagnie qu'on connaît pas. Ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. Pas obligé de dire la compagnie. Faut se faire payer pour la C'est vrai. pub. Hey, mais ouais, c'est ça. Fait que je souhaite de la recevoir quand même, pas le Le lundi jour suivant. même. Ouais. Ouais, Mais ouais. même, toi, Alex, tu fais quoi? Tu travailles? Moi, je Ou tu vas l'attends. chez toi? Je suis comme toi, là. Je vais taper du pied. Ouais, tu vas attendre devant ta porte. Je m'attends qu'il y ait une heure d'OS Update. Puis après ça, ben là, il va falloir que je choisisse les jeux que j'achète, online. Ouais, on Fait peut la que. recevoir genre à 5 h du soir, c'est horrible. Ça se peut aussi que je Ouais. reçoive ma Switch, puis je reçoive jamais Zelda. Il va y avoir une tempête de neige, puis il va te le mettre dans une poubelle à côté, puis tu ne sauras jamais. Puis là, la poubelle va être la poubelle du jour, fait que là, ils vont jeter ta Switch. Mais c'est genre de Amazon, je reçois Zelda, Wii U et Switch. Puis de. Attends, et Switch? Ouais. Ah, ok, les deux plateformes. Ok, parfait. Je pensais que la Switch, je l'avais commandée sur Amazon aussi en plus que Best Buy. Je t'ai mélangé. Oh. Ouais. J'ai 8 Switch, non. J'en veux 12. Puis Best Buy, ouais, j'ai la Switch. Fait que. Je suis pas habitué, je sais pas si ils sont du genre à livrer tôt le matin. J'ai aucune idée. Ils sont Moi, très, je sens très, que Best très. Buy. Best Buy sont très, très, très variables. Je te dirais que j'ai commandé des choses, je l'attendais la journée même du jour qui est sorti, surtout pour des jeux de Wii U. Puis je recevais même pas la journée de la sortie. Fait que Ah, j'allais moi, je dans le sens magasin que. les acheter, puis je les avais reçus avant qu'ils livrent. C'est J'aimerais débile. ça. Au moins, ça avait été le jeudi ou le mardi, ça aurait été écœurant, mais de l'avoir le vendredi, moi, je sens que je vais l'avoir lundi. Mais moi, ça me dérange pas, comme je te dis, j'ai pas de jeu en attente. Fait que quand je vais recevoir, je vais faire Yay! Mais je vais pas faire Oh, j'avais! Non, J'ai besoin de jouer à Zelda. je l'ai pas eu vendredi. Ben, tu vas la Je recevoir, sa Wii U, sais. tu voulais pas l'ouvrir, c'est ça? Ah, ça, je l'aurais pas ouvert, mais là. Mais en même temps, c'est chiant de commencer quelque chose, puis Ah recommencer. ouais, j'avoue. Tu vas pas vouloir le finir dans 200 heures sur la Wii U. Ah, j'ai Ben, hâte. inquiète-toi pas. On va rester positif, là. Mais moi, c'est sûr, par exemple, Zelda, j'aimerais ça le recevoir le 3, puis le vendredi, puis le soir, ben, je pourrais jouer un peu. Ben, en même temps, je jouerais pas. Je pense pas que je vais jouer à ça un vendredi soir. Je suis déjà à jouer à Overwatch, mais je me vois pas vendredi soir jouer à Zelda. Quoi? Fait que, mais je me Fermer verrais ses plus comme fenêtres. samedi matin, me lever avec, puis explorer ça. C'est plus un jeu de samedi matin pour moi, un Zelda. C'est pas mal un jeu de 4 heures sur 24. Pour toi, ben oui, c'est clair. Après, tu vas arrêter de dormir? Ouais, ben j'ai 3 tasses de Zelda de café pour le café de prêt. Y en a déjà pris pas mal en soi. Ouais, ça se peut que j'installe une toilette à la place de mon fauteuil. Les couches, ça marche très bien.
Ouais, mais c'est un peu simple comme solution. Je trouve ça simple comme solution, mettre une couche. Ouais. Installer une toilette, ça demande du travail. Ouais, ouais, ouais. Tu peux l'attacher à ta toilette aussi avec une ceinture en cuir, comme ça tu suis tout partout. C'est une idée. Hey, je pense qu'on est rendu à un très long podcast. Ouais, 1h23. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Je vais juste regarder s'il reste des choses. Je pense qu'on a parlé de plein de choses. Je pense qu'on a fait le tour pas mal. Alors, je pourrais parler encore longtemps de plein d'affaires, mais on a une petite affaire aussi pour ceux que ça intéresse. Je sais pas s'il y a encore du monde qui joue à Pokémon Go, mais aujourd'hui, il vient d'être ajouté 80 Pokémon. Ah oui, okay. Ouais. Tu es en train de dire que c'était fermé, puis les serveurs étaient en train de shutter down. Parce que je n'entends pas parler. Le premier mois, on entendait juste ça, partout. Oui, mais c'est un phénomène mondial qui a fait ça, puis c'est normal. Ah oui. C'est un feu de paille. Mais c'est drôle parce que c'est ça. Même les amis qui jouent énormément, des fois j'ai un petit message, oh, j'ai pas eu un Pokémon, yeah! Mais là, c'est plus personne. J'entends. Je pense comme toutes les affaires, il reste les gens qui sont restés accrochés, puis ils vont pas jouer, puis ils sont bien contents d'avoir des updates. Puis, oh oui! Parce que ça doit changer de quoi? Moi, je me rappelle quand je jouais, c'était tout le temps les mêmes 3-4 Pokémon qui existaient, puis c'était de la part d'un peu. Ouais, mais c'est ça, j'ai remarqué, la chauve-souris, t'as pas souvent en tabarnan. Une espèce de petite boule. Ouais. Puis Pikachu, jamais. Puis quand il y en avait un, t'avais comme 10 000 personnes qui couraient dessus. T'imagines dans la vraie vie, genre, t'as un vrai Pikachu qui arrive, le monde qui se l'arrache. En partant, pas de bras, la fin que je sors, tu sais. Ah, il est dans moi, Pikachu. Puis la fin, je m'attendais aussi au Québec, ça marche pas très bien avec l'hiver, là. Pokémon Go. Je sais pas. Ben moi, gosser sur mon sel avec la neige par terre pis tout. Non, j'avoue, gosser sur le sel. Tu peux pas avoir, ben au moins d'avoir des gains électroniques, mais en tout cas, ça devient compliqué. C'est une barrière de plus qui fait que... Ouais, parce que sortir dehors, si c'est un incentif à sortir dehors, c'est quand même cool. Parce que, tu sais, y a bien de monde qui faisait pas d'exercice, pis c'est ça qu'ils ont poussé à faire l'exercice. C'est bon pour ça, là. Ouais. Fait que si tu sors l'hiver parce que tu sors jamais, mais là tu sors à cause qu'il y a un Pokémon, c'est cool, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment... Il vaut pas tant que ça que de sortir à moins 40 pendant que t'as une tempête de neige, puis j'ai mon... Je sais pas, Charizard! Charizard est là! Ah! Tu meurs dans le flip Saint-Laurent. Ouais, fait que voilà, on arrête ça bientôt. Avez-vous d'autres choses à dire? Non, good. Je pense qu'on a fait le tour. On a un épisode de vendredi de On se part une game qui sort, c'est toi puis moi, Guillaume, qui joue à Star Fox Zero. Ah, oh, fuck. Yay! Puis c'était très bon! Ouais. Puis la semaine suivante, c'est Alex et moi qui joue à Legend of Link, le repro sur Nintendo. Je pense qu'on est rendu à l'épisode 13 ou 14, en tout cas. On doit être à fin, là, oui. On est rendu, je pense, au 7e ou 8e donjon, là. Fait que ça s'en vient. Voilà. Fait que, ben, on a plein de belles surprises qui s'en viennent, donc surveillez ça. Je n'ouvre pas pour vous abonner, pour faire un petit like et laissez-nous des commentaires, des suggestions. On est ouvert à tout ça. Là. On essaie de nouvelles formules aujourd'hui. Là. Ouais. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est relax, ça nous permet de communiquer, mais c'est le fun aussi quand on est ensemble. Ben, c'est plaisant aussi de voir la face au lieu d'être côte à côte. Là. Ouais. Moi, j'aille pas ça. J'avoue. Faudrait être côte à côte, mais avec chacun une caméra. Comme ça, on serait face à face autour d'une table ronde. Avec un œil, un Google Glass pour se voir direct. Peut-être un jour. Peut-être. Pas un jour. Quand on a plein d'argent. On va acheter 3 drones pour nous. Hein? Donc, plus 3 personnes qui comptent. Enfin, non, non. Good. Pas mal. Fait que bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, Pilar. On se revoit. Yes. Pour un autre podcast. Au revoir. Ciao tout le monde.